Alors, qu'est-ce que vous avez mangé, messieurs, dames? Qu'est-ce qu'il y a dans vos moules? Moule Roquefort, c'était pas prévu au menu, mais on a eu la sauce Roquefort en supplément, gratuitement, aimablement. Alors, c'est comment les moules Roquefort? Très bon. Délicieux. Et vous, madame? Du lieu jaune, donc avec un riz safrané, qui est excellent. Donc vous êtes parisienne, vous venez souvent à Honfleur? Non, c'est une découverte. Je profitais de la visite de cette amie italienne pour venir découvrir la Haute-Normandie avec elle. D'accord. Donc vous, au premier abord, première vue, ça vous... On trouve ça plutôt charmant. Donc pourquoi vous avez choisi ce restaurant-là, au bout du quai, comme son nom l'indique? À cause du soleil. Parce que la table est dehors et qu'on a du soleil. Et il se trouve qu'il y avait une table qui se libérait et que la jeune fille qui sert est assez avenante. Donc Nora, bonjour. Bonjour. Vous êtes serveuse au restaurant au bout du quai, donc ici à Honfleur. Parlez-nous un petit peu du restaurant et des spécialités culinaires. Notre spécialité varie selon le temps. Donc aujourd'hui, on vous propose par exemple un bar entier à la crème crustacée. Donc on travaille beaucoup les moules, les fruits de mer donc de la région. Donc je précise, c'est les fruits de mer de la région. Ce qu'ils aiment avant tout en fleur, c'est vraiment tout ce qui est moules, fruits de mer et puis galettes. Alors, peut-être... Moules frites pour moi. Oui. Et galettes pour moi. Voilà, et on boit le cidre local. Okay. Vous avez pris une galette à quoi? Une galette complète. Donc, œufs, fromage, jambon, champignons de Paris et crème maison. Voilà, on essaye de faire vraiment un côté familial. C'est pour ça qu'on n'a qu'une seule pièce. Et les gens, quand ils arrivent ici, souvent, l'accueil, l'ambiance, les plats, pas trop compliqués, qualité-prix rentable pour tout le monde. Que vous dire de plus? En plus, on a un cadre magnifique. Si vous aviez une note à donner là pour l'instant, pour les prestations que vous avez eues, vous avez pris quoi? Vous avez pris un menu? Vous avez pris... On note sur combien? Sur 5, entre 0 et 5, en tenant compte du lieu, de l'accueil, évidemment de la qualité du soleil. De... Soleil. Bien sûr. 5 sur 5. 5 sur 5. Là, c'est... 4 et demi, il ne faut pas donner 4. Oui, 5. Voilà, 4 et demi, on est toujours perfectible. Mais moi, je voulais dire qu'on est déjà venu, on a déjà mangé sur le port, et on avait un affreux souvenir de ça. Et là, c'est une très bonne surprise. Donc José et Noël, vous êtes les propriétaires du restaurant La Trinquette. Quelle est votre spécialité ou vos spécialités? Les galettes déjà. Au départ, oui. Les galettes. Au départ, les galettes, les crêpes, tout ce qui est salade, omelette et... Voilà. Et tartiflette. Et tartiflette, puisqu'on aime bien la montagne aussi. Donc on fait un... On a ramené un petit remake par là. Et puis après, au fur et à mesure des demandes des gens, on s'est agrandi, on a mis des menus et voilà. Donc monsieur, vous êtes un client habitué de La Trinquette? Tout à fait, depuis très longtemps. Pour quelle raison? D'abord pour des raisons amicales, mais ensuite pour une constance de l'ambiance, de... on parle, la gentillesse. Et puis quand Noël est en cuisine, c'est très bon. C'est la première fois que nous venons et que nous regardons toute la côte. Voilà, oui, absolument. Vous êtes ravis? Oui, oui, oui. On a du beau temps. Vous mangez quoi? Là, du poisson. Nous avons tous mangé du poisson. Et quand vous venez, vous avez toujours votre même petite table? Vous avez vos habitudes? Tout à fait. On est toujours au fond, là, dans le petit coin des VIP.
euros. Ça démarre à 6 euros pour arriver à des plus élaborés à 9,90. Donc bon, il y a des gens qui mangent juste un plat et, ouais, et voilà. Sinon des menus. Et sinon après les menus, ça démarre à 19 euros. Mais bon, le ticket moyen à peu près 15 euros. Donc, bah, le midi, c'est surtout des gens de bureau. Après, on a beaucoup de touristes. Les Anglais sont pas loin. sont pas très loin. Et tous les Parisiens qui viennent tous les week-ends. Et voilà, tous les Parisiens qui viennent le week-end, c'est beaucoup de touristes. Et voilà. Mais bon. On était parti avec des a priori et non. Quoi comme a priori? Le climat, la pluie, voilà. Et par rapport au choix du restaurant, On avait un peu peur, parce que nous qui venons de la Méditerranée, on a toujours un peu peur des endroits clés. Il y a certains endroits comme ça en Méditerranée qui sont très très courus, très cotés, très connus. Et on a toujours peur d'un restaurant un peu touriste. Et là, on était agréablement surpris, c'est très bon. Ouais. Voilà, on est en train de déguster quelque chose qui est délicieux, donc c'est bien. Entre 5 ici, 5 sur 5. Sinon, je ne viendrai pas. Oh, moi, pareil. Également, moi, je mettrais 5 sur 5. Je suis très bien là, ici. Alors, 5 sur 5, hein. Voilà. Oui, tout à fait. Sur 5, entre 0 et 5. Allez, moi, je... 4. 4 sur 5, oui. Et vous, monsieur? Allez, 4 aussi, ouais. 4. Ouais, 4 plus, oui, c'est bien, oui, super. Il n'y a pas de problème, ouais. Vraiment, c'est un accueil, vraiment, très bien, c'est vraiment très bien, le cadre est formidable, ce qu'on mange, c'est très bien, et puis on est très bien accueillis, c'est vrai. Vous êtes une habituée de ce restaurant ? Oui, tout à fait, on vient régulièrement. Ça fait partie des bonnes tables d'Honfleur avec un très bon rapport qualité-prix. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'ambiance générale, de la déco, de... qu'est-ce qui vous plaît ici ? Très bonne ambiance, les serveurs sont très sympathiques, donc dynamiques, et puis une terrasse agréable, donc voilà, tout ce qu'on recherche sur Honfleur. Donc, vous connaissez déjà un petit peu, oui, ce restaurant ? Absolument. Pourquoi vous êtes revenu ? Parce qu'on y mange bien, tout bêtement. Parce qu'on y mange bien, une garantie de qualité de produit. Ben le cadre, oui, c'est un cadre agréable. On a choisi le créneau soleil parce qu'il manquait ces derniers temps. Donc on a justement planté le décor en prenant la partie ensoleillée, ce qui fait qu'on a l'impression d'être à l'extérieur, même si on est à l'intérieur, ce qui n'est pas mal. Et bon, c'est un plus par rapport aux gens qui, généralement, par un temps comme ça, se réfugient plutôt vers l'intérieur. Alors, Les Deux Ponts, bah, c'est un restaurant donc, traditionnel avec où on vend beaucoup les fruits de mer, les poissons. Après, avec des produits aussi comme la Saint-Jacques, qui est en ce moment le plat qu'on peut proposer aux clients, puisque c'est vraiment la Saint-Jacques fraîche. Et sinon, ça se base sur tout. Enfin, on propose de tout, hein, de la viande, poisson. On a aussi un plat qui marche bien, qui est la choucroute de la mer. Donc en fait, c'est la choucroute avec poisson et crustacés, qui est assez sympa. Sinon, les fruits de mer, un plateau de fruits de mer aussi. Qu'est-ce que vous allez manger, là ? Des moules. Des moules ? Oui, tout bêtement. Mais j'ai choisi des plats plus couleur locale, quoi. J'ai pris en entrée une salade de coquille Saint-Jacques au vinaigre balsamique. Elle était parfaite. Juste un petit peu trop de salade, quoi. Et là, j'ai pris des moules à la crème. Très bien servies en quantité comme en qualité, quoi. Et très bien assaisonnées. Je suis très contente de mon choix. En entrée, j'ai pris une terrine de volaille qui était très bonne. Et en plat principal, moi c'est pas original pour Honfleur, j'ai pris de la viande, c'est-à-dire j'ai pris un rumsteak poivre vert. Très bon, très bien dessiné, un bon contraste entre la sauce et la viande.
On a aussi, on propose un foie gras aussi qui est en accompagnement avec une gelée de cidre. On le fait aussi avec les fromages normands, où on accompagne aussi cette gelée de cidre. C'est un régal. Donc en parlant de rapport qualité-prix, en moyenne, on mange pour combien chez vous ? Nous, on a un premier menu qui est à 17,80 €, avec une entrée, plat, fromage et dessert. Donc qui est très très rare sur, sur Honfleur, même je crois que c'est inexistant. Et donc on peut remarquer aussi votre cadre qui est quand même assez agréable, et on voit les assiettes plutôt bien présentées, ce qui ne gâche en rien la qualité de la restauration. Non, tout à fait, c'est vrai que le patron, c'est surtout le patron qui, bon, qui aime ça et qui aime que les clients soient heureux d'avoir déjà un plat présentable où il y a de la couleur, où c'est bien présenté. La pomme de terre, c'est très très bien, très bien également, très bien présenté. Donc il y avait à la fois le côté goût et le côté esthétique qui était bien, bien représenté dans mon plat du jour. Là. Et si vous auriez une note à attribuer à ce restaurant entre 0 et 5, vous donneriez quoi ? 4. 4 sur 5, oui. D'accord. En prenant en compte la restauration en elle-même, la décoration, l'ambiance. Voilà, oui, oui. En prenant l'ensemble des critères, oui, 4 sur 5. On peut toujours mieux faire, donc on ne peut pas dire 5 sur 5, mais voilà, 4 sur 5, c'est déjà très bien. Entre 0 et 5, disons 3,5. Okay. Moi, je donne 4. Entre 0 et 5 ? En prenant en compte l'ensemble. Hein. Je dirais 4. 5, c'est très difficile, la perfection n'est pas de ce monde. Très bonne table qu'on recommande. Voilà, vous parlez du café gourmand. Alors, le café gourmand, 10 sur 10. Non, 6 sur 5. Ah, c'est sur 5. Oui. Eh bien, 5 sur 5. 10 sur 5. 10 sur 5, le café gourmand. Et donc si vous auriez une note entre 0 et 5 à attribuer à cet établissement, quelle note vous donneriez ? Ah ça c'est je note jamais, ni mes élèves de l'école d'art graphique, ni mes amis, surtout pas mes amis, mais je reviens. Je reviens.